Eh bien, le bonjour, c'est Jayon Kit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la grande roue d'Orléans. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de roue. Et pourquoi pas les deux tours, hein. Il y a deux sens, hein, vous avez compris la blague. Pour cette vidéo, j'ai réussi à grimper tout en haut de la roue avec mes mains et c'était pas glorieux du tout. Et nous avons là des magnifiques sculptures dans la pierre. Je ne suis pas expert d'architecture, je peux pas vous dire. Des beaux fils d'électricité pour les trams, et ainsi que l'autre façade. L'arbuste qui cache la grande roue. On va l'appeler comme ça, l'arbuste. Même si c'est un arbre, j'y connais pas grand-chose en arbre. Mais regardez, je trouve vraiment la perspective belle. J'adore vraiment ce lieu. Ce petit endroit où il y a la grande roue quand c'est la période, bien sûr. Avec un autre angle de la grande roue, toujours. Comme ça, elle a l'air minuscule, mais elle est gigantesque. Et c'est vraiment impressionnant. Mais par rapport à ça, on est vraiment tout petit. Hormis ça, la grande roue est là depuis plusieurs années. Et c'est vraiment un symbole emblématique des fêtes de Noël à Orléans. La grande roue sur la place du Martroi. Honnêtement, pour avoir sauté l'année dernière, bah, ça va, hein. On s'en sort plutôt bien. J'étais tombé sur un sapin. Alors, je rigole, c'est une fake news. J'ai jamais sauté et je sauterai jamais, je pense. Ne le faites pas. Bah, essayez au moins pour la science, si jamais vous avez un parachute, une innovation, ou alors vous grimpez comme moi, à pleine main, comme ici, du coup. C'est vraiment une révolution le stabilisateur quand même. Là, il faisait quasiment 2-3 degrés, j'avais froid aux mains, il y avait beaucoup de vent. Et malgré tout ça, bah, la vidéo est pas mal. Et je suis plutôt content de moi, du coup, vraiment, vous pouvez vous en douter, avec la qualité qui s'améliore de vidéo en vidéo, sincèrement, c'est magique pour moi, vraiment, que ce soit de filmer la cathédrale, ou le beffroi, ou plein d'autres choses dans Orléans. Et merci pour vos retours qui sont super. J'ai beaucoup de boulot, et comme j'ai annoncé sur Twitter, la chaîne principale sera active à partir de mars 2020. Il me reste beaucoup de boulot à faire pour ces 3 mois de temps. C'est un défi que je vais relever, bien sûr, et je serai vraiment content quand j'aurai fini avec ça. Et vous aussi, je pense, du boulot qu'il y aura sur la chaîne et du contenu qui sera probablement de qualité. Attention, je ne vends pas du rêve non plus, je suis pas marchand de tapis, vous voyez, mais j'y compte vraiment et c'est vraiment important pour moi, vous voyez, qu'il y a du contenu. Et à ce moment de la vidéo, j'ai voulu sauter en me disant ouais que ça allait pas marcher ou marcher, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas sauté, je suis encore là. Et encore là pour longtemps à mon avis. Je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. La prochaine date de la vidéo sera pas sur Twitter. Tu la sauras pas. Non, je vous chéris, c'est pas vrai. Elle y sera bientôt, hein. Je vous dirai ça pour l'épisode 2, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important, partagez-la. Et mettez le pouce bleu ou le pouce beau, comme vous voulez, peu importe, allez-y, soyez fous. Allez, bonne soirée!